président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé cet après-midi à Oyo, en République du Congo, pour une visite de travail et de courtoisie sanctionnée par un tête-à-tête de plus d'une heure avec son homologue Denis Sassou Nguesso. Présent à l'aéroport d'Olombo pour l'accueillir, le Premier ministre Konine Makoso, accompagné des membres du gouvernement. Tout protocole respecté, son véhicule le conduira à sa résidence occasionnelle au site de Ngolodwa pour son court séjour. Après un repos d'un quart d'heure, son premier visiteur est déjà là. Bienvenue chez moi, président. C'était pour venir te voir. Ils vont s'entretenir pendant près de 45 minutes, mais rien n'est filtré de ses têtes à tête. Il va convier ensuite son hôte au déjeuner en raison de la commémoration de la mort de Mama Mouebara, mère biologique de son homologue. C'est certainement pendant ces cocktails que les deux présidents ont évoqué les questions liées à leur relation et même celles qui divisent. Il n'est un secret pour personne que ces derniers temps, la sous-région assiste à un rapprochement et à un réchauffement de relations entre la République du Congo et le Rwanda, sanctionnés par des accords économiques. Les Congolais de l'autre rive veulent savoir quel intérêt la République du Congo a de coopérer avec un pays qui agresse son voisin, la RDC, et pille ses richesses. On suppose que Félix Antoine Tshisekedi a eu des réponses. C'est en début de soirée que le chef de l'État du Congo-Kinshasa a quitté la ville de Oyo, située dans le département de la Cuvette, à 400 km de Brazzaville.